Boss Mukubu, quelle remontée fantastique! Quel a été le déclic ce soir? Oh. Le déclic, il y en a eu tellement que je ne sais même pas où commencer, mais sinon, le match, on s'est bien battu. On s'est très bien battu. Je crois que c'était juste notre défense. Et on a, en première mi-temps, on a perdu beaucoup de ballons, mais sinon, on s'est rattrapé. Et notre défense, parce que c'est presque impossible de perdre autant de ballons et de gagner, quoi. Donc, c'est notre défense et ça a marché, quoi. Vous avez eu peu de réussite au tir en première mi-temps, alors qu'Anvers marquait tout. Oui, mais Anvers, ils ont commencé, ils étaient très chauds. Hopkins était en faille et puis ils rataient presque rien. Et on a fait quelques adjustments, des ajustements, et puis en deuxième mi-temps. Mais nous par contre, à part quelques lancers francs et puis quelques lay-ups, comme j'ai dit, on a perdu beaucoup de ballons aussi. Donc, quand tu perds les ballons, tu ne te donnes pas une chance de marquer. Donc, tu ne peux pas marquer sans la balle. Donc, si à chaque fois on perdait la balle ou si les arbitres appelaient des fautes sur nous, c'était difficile de marquer, quoi. Qui a été le joueur clé du match pour toi? C'est pas un secret. Il y en a deux. Je vais les appeler Leo Gary. Parce que c'était Lionel Bosco et Gary Ware. Lionel, en tout cas, il a été fantastique. Fantastique. Excellent. Il nous a carry. Donc il nous a mis sur son dos et puis Gary à l'intérieur, il a carrément il a fait ce qu'il devait faire. Merci, Wayne. Ouais. Let's go!
Geoffrey Hawkins, quel contraste entre les deux mi-temps ce soir. Quels ont été les mots du coach à la mi-temps? Ben, simplement de ne pas baisser les bras, garder la tête haute, que à partir d'une bonne défense on pouvait relever la tête et revenir en deuxième mi-temps. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Puis je pense que les joueurs, nous, on a parlé aussi entre nous, notamment via les deux capitaines, donc Wen et Leo, qui nous ont motivés en fait, qui nous ont dit que voilà, on est en des stops en défense et en marquant 3-4 paniers d'affilée, on revenait dans le match et que c'est vraiment une question de rythme et de bien commencer les premières minutes. Et voilà, c'est ce qu'on a fait, c'est comme ça qu'on est bien revenu dans le match. En première mi-temps, vous avez essayé plusieurs défenses, mais Anvers trouvait toujours la faille. Oui, c'est vrai qu'Anvers, en fait, en première mi-temps, ben, ils rentraient leur shot. Je pense que le tout, c'est pas d'essayer plusieurs défenses, mais d'être agressif, ce qu'on a manqué en première mi-temps. Maintenant, on a bien corrigé le tir en deuxième mi-temps et ça a été vraiment mieux. Offensivement, la seconde période a été exceptionnelle. 20 minutes de grâce. Je pense qu'on a trouvé toujours la solution à la défense d'Anvers. Donc 20 minutes de grâce, je sais pas. C'est vrai que les shots sont rentrés. Peut-être un peu plus que la normale, mais aussi je pense qu'on était en condition pour les mettre aussi. Donc le ballon tournait bien, tout le monde touchait le ballon allait là où il devait aller et tout le monde a mis à profit en fait les ballons qu'ils avaient. Donc voilà. Merci Geoffrey. Liégeois.